Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier d'une série de longs métrages destinés à vous faire découvrir l'univers Fox. Avec un hiver 2013 qui n'en finit plus, nous avons décidé de nous expatrier et nous sommes en plein sud de la France avec pour cette première moitié de tournage la Camargue. Ce premier DVD sera exclusivement consacré au montage et bas de ligne. On vous y présentera toute une nouvelle gamme d'accessoires appelée Edge qui vous permettra d'affiner encore vos présentations et de pêcher en toute sécurité. Mais tout d'abord, une rapide présentation des trois consultants avec lesquels j'aurai le privilège de pêcher toute cette semaine. Premier consultant à nous rejoindre pour ce DVD, c'est le plus costaud, Samuel Salamagnon. De ses 2 mètres de haut, Samuel est un formidable lanceur, ce qui va certainement nous aider un moment ou un autre dans cette semaine de pêche. Il apporte son expérience de baroudeur, avec des voyages depuis la Seine de sa Normandie natale jusqu'au delta du Danube en Roumanie. Samuel a contribué à de nombreux magazines et écrit depuis maintenant quelques années pour la revue Carpe Record. Et avec lui, tout est hors norme, à tel point qu'on n'est pas loin de lui proposer un bivy sur mesure. Le second consultant à nous rejoindre pour ce DVD est Nicolas Lévin. Il est contributeur pour les revues Carp Sen Starter et Carp Sen Collector. Natif également de Normandie, la comparaison avec Sam s'arrête par contre là. En effet, de composition beaucoup plus frêle, il affectionne tout particulièrement les pêches de bordure et en zone encombrée. Il sera donc vraiment à même de nous présenter une bonne partie des accessoires de la gamme Edge, justement destinés à pêcher près des obstacles et en toute sécurité. Amateur de pêche en milieu hostile, reste à savoir si Nicolas saura faire face aux moustiques de Camargue. Troisième et dernier consultant à nous rejoindre, c'est Jean-Baptiste Morel. Contributeur régulier à la revue Carpe Record, Jean-Baptiste est également un caméraman d'exception. Il aura un rôle particulier puisqu'il sera à la fois devant et derrière la caméra. Jean-Baptiste est passé maître dans l'approche des plans d'eau à forte pression de pêche. Ces dernières années, il s'est également révélé un véritable expert dans les petits canaux du nord de la France. Il va donc être vraiment intéressant de voir comment il peut s'adapter à ces conditions du sud de la France. Va-t-il réussir à être caméraman et pêcheur à la fois? Mais ne perdons pas un instant, avec des températures déjà très hautes en ce début de matinée, nos consultants sont en action de pêche et c'est par là que ça se passe. Eh bien oui Stéphane, à peine installé, déjà les hostilités commencent. Un super beau poisson, une belle petite commune typique du sud, prise à ras de la bordure, un petit montage isolé comme ça, à ras des roseaux. Et quand on voit la super belle robe de cette petite commune, eh ben, on comprend aisément pourquoi elle se dort la pilule le matin comme ça au soleil. On va vite la remettre à l'eau parce qu'apparemment les hostilités ont déjà bien commencé puisque déjà Nicolas commence déjà à toucher quelques poissons. Là, je viens de capturer une jolie petite commune. Alors on est bien loin des quelques gros poissons qui nagent dans le plan d'eau. Mais là, le spot commence à être bien actif. On arrive à enregistrer quelques touches par jour. Et je pense qu'au fil du temps, au fil de la session, on va réussir à évoluer en termes de poids. Enfin, je l'espère. Donc là, je vais reposer sur le spot où il y a le moins d'eau. C'est un petit haut fond qui borde un lit d'une arrivée d'eau, quoi, d'une petite rivière. C'est un spot dur, composé de cailloux et je ne sais pas si c'est de la terre ou de l'argile, mais c'est assez dur, quoi. Le montage ne s'enfonce pas du tout, c'est très propre. Sur le côté de ce spot, à 7-8 mètres, il y a quelques obstacles, il y a des bois morts, il y a un puits en ferraille. Donc il faut un montage solide, il va falloir brider le poisson dès le départ. Donc là on vient d'arriver sur le spot, où je viens d'attraper ce petit poisson. Alors en fait, il y a une toute petite zone de dur au milieu d'une zone un peu plus molle. Donc en fait, je pêche avec un très gros plomb, parce que comme je vais vous l'expliquer un peu plus tard, le principe est justement de perdre ce lest lors de la touche pour vraiment limiter les risques de perte de poisson dans ces obstacles. Donc là, je suis en train de tâtonner le fond, tout doucement. Avec la tresse, ça facilite la détection du mou et du dur. Donc là, j'ai monté un camolis de corps environ 1 mètre de couleur noire, parce que le fond est relativement sombre malgré la présence de cailloux. Donc là, je pense que je vais avoir trouvé la petite zone de dur. Donc là, je pense que le spot a été convenablement détecté. Voilà, là, je suis sur le dur. Donc en plus, petit avantage, le flotteur me sert de repère pour l'amorçage. Donc là, pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Le poisson ne mange pas énormément. On n'a pas encore eu de très bons résultats sur les gros amorçages. Donc juste quelques appâts parsemés ici et là, on pisse parfaitement leur rôle.
Voilà, je vais essayer de regagner la berge. On est aidé avec le vent. Donc ça se passe bien. Pas créer trop de tension sur la ligne, quoi. Bien surveiller que la trace sorte du moulinet sans crochet, quoi. Pas déplacer le montage. Même si là j'utilise un très gros plomb. Mon contre-avantage de ce très gros lest qui peut paraître démesuré, c'est que lors de la prise en bouche et du contact avec le montage de la carpe, avec l'inertie du plomb, le fait de débloquer le plomb du montage, la carpe aura tendance à remonter en surface. Donc une fois de plus, ça va encore éviter les incidents dans les accros. Alors Nicolas, merci de m'accueillir sur ton poste. On peut dire que tu es rentré dans le vif du sujet dès ce matin, ouais, avec plusieurs poissons. Ouais. Tu as vu qu'on t'avait donné un poste fidèle à ta réputation. C'est ça. Hein, pêche de bordure, encombré au possible. C'est ça. Et puis, tu t'en sors plutôt très bien. Donc les conditions de pêche, effectivement, avec une chaleur excessive qui est venue de manière brutale, a poussé les poissons en bordure là où ça s'est réchauffé le plus vite. Et tu en tires parti. Alors moi, ce que je voudrais quand même vraiment savoir, c'est comment tu t'organises pour avoir finalement aussi peu de pertes, quoi. Dans un endroit aussi encombré, tu as l'air de convertir la plupart des touches en poissons au sec. Alors c'est vrai que dans les obstacles comme ça, on a tendance à avoir peur de perdre des poissons. Alors déjà, avant de parler matériel, quoi que ce soit, il faut se fixer une zone de sécurité. Pas aller trop loin dans ce qu'on est capable de faire. Aller chercher les poissons directement dans l'obstacle, c'est à bannir. D'accord. On n'est pas des bouchers, on n'est pas là pour ça. Même avec du bon matériel, c'est pas possible. Donc ça veut dire bonne reconnaissance du poste. Voilà. Et puis savoir un petit peu de quoi on est capable, voilà, et se donner des limites. Voilà. Ok. Et pour la sécurité du poisson, pour le bien de tout le monde. Entendu. Après, ça dépend des postes. Là, il y a très peu d'eau, c'est un fond très dur. Il y a quelques barres en ferraille. Ça, malheureusement, ça cassera pas, on n'arrivera pas à les faire revenir. Et des branches, donc ça, les branches sont encore. Mais le but, c'est en fait d'attraper un poisson et qu'il ne s'aperçoive pas qu'il est pris. D'accord, c'est un intéressant. Peu le but. C'est alors, un peu le but. Mais encore, comment on y parvient? Eh bien, le but, c'est que, pour te donner un exemple, si je te tire les cheveux, tu auras tendance à reculer ta tête. Si je passe derrière toi et que tu ne t'aperçois pas que je te tiens les cheveux, tu ne bougeras pas ta tête. Et une carpe, c'est pareil. Ouais, jusque-là, je te suis. Une carpe, c'est pareil. Si elle n'a pas l'impression d'être piégée, elle ne va pas essayer de s'enfuir. C'est d'accord, pas une sensation de crainte. Donc toi, tu essayes d'agir sur le comportement du poisson et d'éviter qu'il aille de plus en plus se réfugier dans les obstacles. Voilà. En gros. D'accord. Plus je vais avoir eu tendance à la brider pour justement l'extraire de ces obstacles, plus elle va chercher à y aller. D'accord. Alors que là, le système, en fait, c'est d'utiliser le poids le plus lourd possible. Donc après, à varier selon la ouais, distance. Alors effectivement, montre-nous bien là, dans le genre plomb. Là, c'est un 340 grammes. Il y a de la matière, d'accord. Donc un Klingon swivel en 340 grammes. Hein. 340 grammes, parce que le fond est très dur. Donc en plus, à la tension, quand je vais retendre ma ligne, ça risque de glisser un peu. Donc le plus lourd possible. Si c'était d'accord, un peu vaseux, je mettrais 220. Pour éviter 200... donc là de faire bouger le bas de ligne et éventuellement taper la pointe sur un galet. Voilà, ou quoi que ce soit. Ou choper une petite brindille ou quoi. D'accord. Donc le but, c'est d'avoir un très gros plomb, le plus lourd possible. Un bas de ligne au choix. Alors ici, j'ai opté pour une petite présentation que j'affectionne particulièrement. C'est un petit snowman. D'accord. Donc là, c'est une 20 et une 15 mm. C'est ouais, pile poil équilibré. D'accord. Je vois que la présentation Bonhomme de Neige, ça va être un fil conducteur. Ouais. Je m'aperçois qu'on est tous assez fans ouais. de cette présentation-là. D'accord. C'est une bonne alternative. D'accord. Un XSC numéro ouais, 4, un hameçon fort de fer. Ouais. Très piquant. Le cheveu est maintenu dans la courbure de l'hameçon, à peu près au niveau de l'ardillon, grâce à un petit bout de shrink tube, le nouveau shrink tube vert kaki de la d'accord, gamme Age. Donc là, tu es allé dans la gamme Age, tu as pris le nouveau shrink tube, donc le small. Oui, hein, tout à fait. Ce qui fait qu'en fait, le cheveu est vraiment fixe le long voilà, de la lampe. Ok. Pour avoir un effet de pivot plus prononcé du voilà, bonhomme de neige. Voilà, ok. Ça. D'accord. Et ça, ça va revenir après. Okay. Un petit aligna dans les grosses tailles. Ouais, le Lana Liner, donc ouais, ça maintenant un grand classique chez nous. Voilà, okay, en marron pour s'associer à la couleur ouais, des composants de mon montage sur ton poste. Que je retrouve sur mon poste. Ouais. La nouvelle Camotex en version soft, 25 livres, dark camo, donc dans sa couleur la plus sombre, noir et marron. D'accord, donc Camotex soft, c'est une tresse qui est gainée.
gainé, souple. Mais souple. Souple. D'accord. Et pourquoi la souplesse? Justement, c'est un fond dur. Il y a quelques cailloux, quelques brindilles. Je veux rien avoir qui rebique. Parce que comme j'ai déjà pu le dire ou que je vais tu pouvoir... veux que ça épouse le fond en fait. Voilà, je veux okay. que ça soit discret. D'accord. C'est pas parce qu'on pêche grossier qu'il faut pêcher improprement. Compris. Donc après la longueur c'est un peu selon mes préférences. Moi je sais que j'aime pas les baddings très courts, donc 25-30 cm c'est la majeure partie du temps c'est ce que d'accord. j'utilise. Un petit anticle sleeve de la gamme Edge, pareil dans sa version transparente. Ouais, l'anti-tangle, couleur camou, okay. classique, qui va me permettre de fixer mon badling sur un quick change de la gamme Edge de même. D'accord. Sur lequel est fixé un slick lead clip d'accord. de la gamme Edge également. D'accord. Donc dans la gamme, en fait, on a deux types de lead clip. Le classique avec le haut du corps cranté et une taille un petit peu plus importante. Et celui que tu utilises toi, c'est le plus petit des deux, donc le slick. Qui a le haut de la tétine ici entièrement lisse. Ouais. Hein, c'est ça, d'accord. Donc, et ça, c'est pour favoriser encore voilà. plus ouais. le dégagement du plomb. Et pour encore okay. plus accentuer cet effet de perte de plomb, je l'enfonce vraiment au minimum. Et toujours prendre l'habitude de mouiller avec un peu de salive. D'accord. Voilà. Et tu fais glisser à moitié à peu près. Et hein. voilà. D'accord. Et là, donc le moindre choc, le la moindre saute. Tension. Ouais, ouais. En plus, avec le poids évidemment du plomb, 340 grammes, on a vu que c'est vite parti. Donc après cette histoire de clip de perte de plomb, j'ai quand même un lead core, un camo lead core dans la version dark camo. Après, ça varie, c'est aux alentours d'un d'accord. mètre environ. Pareil en 45 livres, parce qu'il faut quand même pêcher relativement plaqué. Donc là, tu as opté pour le nouveau lead core. On est bien d'accord, c'est pas le submerge dont on parlera plus tard. Ça, c'est un véritable lead core avec une âme en plomb. Ouais, ouais. Faut que ça soit lourd, faut que okay. ça plaque quand même. Et en plus, il est très résistant à l'abrasion. Donc si ce jamais qui t'arrange ça frotte, par rapport moi, aux obstacles. J'allie un peu le côté discrétion et solidité. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Et par contre, là, j'avoue, tu m'as perdu. Une petite originalité. Plutôt intrigué, là. Donc, le lead core relié classique sur une 13 Gravitron 35 centièmes avec un greener ou une no-go. D'accord. Donc, une boucle d'épissure et un greener. Voilà. OK. Sur lequel vient se loger une petite pelle, une perle, pardon, caoutchouc. Donc, le sens n'a pas trop d'importance. OK. Et sur lequel, au-dessus de laquelle, j'ai enfilé un micro-marqueur. D'accord. Ce qui est en fait le flotteur pour sonder dans les herbiers voilà. qu'on propose dans la gamme en fait, dans la gamme carpe. Voilà. Ok. Et au-dessus duquel j'ai réalisé avec du magic marker parce que ça va très bien et ça bouge pas du tout une ligature. D'accord. Comme on pourrait le faire sur un montage. Un nœud d'arrêt quelque voilà. part en fait. Voilà. Ok. Et en fait le principe c'est qu'une fois le poisson aura saisi mon appât, va déclipper mon plomb, donc ouais. perdre mon plomb, ouais. m'indiquer ma touche. Le but est de ne pas ferrer et de brider tout de suite. Je monte dans mon bateau, je donne du mou. Le flotteur va remonter normalement en surface, tenir ma ligne au-dessus des obstacles. Et le poisson va se sentir libre avec une ligne surélevée des obstacles. D'accord. Donc ça... D'accord. Effectivement, c'est ce qu'on a vu quand tu étais sur l'eau, sur le bateau. Là, on a vu que tu arrivais à rejoindre le poisson de manière assez tranquille, quelque ouais, part. Ouais. Et que le poisson n'était pas allé au fin fond, 3e rue à droite. Non, non. Au fin fond du dernier obstacle. Ça limite vraiment. Ça n'anéantit pas à 100% les risques, mais ça les limite grandement. Voilà. D'accord. Ok. Et ben, montage vraiment, vraiment intéressant, différent. Et puis surtout, comme on l'a vu depuis ce matin, efficace. Hein. Ça a l'air. Et vraiment, ce qui me plaît beaucoup, c'est que comme tu l'avais annoncé en le montant, on était tous surpris. Tu arrives à transformer un maximum de touches en poisson au sec. Et puis, jusqu'à présent, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de décroche. Donc, c'est vraiment au niveau soin du poisson et sécurité, ouais. c'est ouais, ouais. très, très intéressant. Mais écoute, je te remercie d'avoir partagé ce montage avec nous. Parce que c'est vrai que c'est innovant, c'est créatif, mais surtout ça peut nous servir à tous puisqu'on a tous envie de, bah, d'une part de mettre un maximum de poissons au tapis, mais surtout d'en perdre un minimum et de casser un minimum de montage. C'est sûr. Et bien écoute, je te laisse continuer ouais. à prendre de l'avance sur nous malheureusement. Ouais. Mais... ouais, c'est le jeu. Et puis je te retrouve plus tard dans la journée. Ça marche. Merci à toi. Salut. We'll be right back.
peu difficile pour moi ce matin, après une nuit mouvementée. Je touche 4 poissons et j'en perds un. Donc 5 départs dans la nuit, toujours sur le même spot, toujours avec le même type de montage, un camo lead core dark avec un slick clip plomb. Donc vraiment un montage sûr pour pêcher les obstacles et le résultat est là. Après une nuit mouvementée aux côtés de Nicolas, de nombreux allers-retours pour déposer les lignes en bateau et puis aller combattre les poissons, nous allons maintenant rejoindre Sam sur son poste. Une approche différente, des eaux un peu plus profondes et il semble que ça paye en pleine journée. Voici mon premier poisson pris avec les accessoires de cette nouvelle gamme Fox. Mon montage est composé d'un Shodeli Buffer Sleeve et prolongé ensuite d'un Badling conçu sur le Camotex Steve 25 livres. Une commune typique des souches camarguaises, tout en longueur, puissante, des départs à faire hurler nos détecteurs. Ça, moi, j'ai une pleine eau avec une légère descente en pente douce jusqu'à 9 mètres. Pas d'obstacle détectable sur le fond. Donc moi j'ai choisi plutôt de pêcher dans différentes profondeurs pour intercepter des poissons qui circulent entre la zone de Nicolas et la zone de Jean-Baptiste. Puisque Jean-Baptiste a également, lui, commencé à toucher du poisson. D'accord, oui, donc il me semble effectivement reconnaître un setup en hélicoptère, mais avec pas mal de subtilités, donc des accessoires que tu as pris dans la gamme Edge. Hein. Tout à fait. Alors ben, vas-y, on t'écoute. Eh bien, pour commencer, le montage est composé d'une perle en tungstène avec deux extrémités au diamètre différent. On retrouve côté plomb un diamètre bien plus important pour pouvoir venir loger cette perle dans le sinkers également en tungstène. D'accord. L'utilisation du tungstène permet justement à la ligne d'être plaquée sur le fond. Donc là, on vient y loger la perle dans le sinkers. Ensuite, j'utilise un émerillon, le quick change. L'intérêt du quick change, c'est que on peut changer son montage en cours de pêche. D'accord, là en fait, il s'agit du système quick change qu'on connaît chez Fox depuis déjà plusieurs années, mais qui a été raccourci, hein, si je comprends bien, pour pouvoir être utilisé en hélicoptère. Je vois ici que le crochet de raccord à la boucle est beaucoup plus court que sur les modèles précédents et qu'il est monté directement sur un anneau de diamètre plus important pour coulisser. D'accord. Ensuite, on retrouve une pièce essentielle, le Shodeli Buffer Sleeve, muni d'une tétine très souple. C'est très intéressant parce que quand le poisson est en tension, la tétine vient protéger la ligne. Et donc, on n'a aucun risque d'endommager la ligne avec la tension de l'émerillon. D'accord, donc plus de problème de casse lors des départs ou des combats qui étaient dus dans le passé par la friction répétée de l'anneau de l'émerillon sur le corps de ligne. Et on a un montage entièrement sûr avec cette perle qui va se dégager rapidement du sinker en tungstène puisque le diamètre est exactement le même. Complètement. Et on retrouve vraiment la fonctionnalité du système hélicoptère. Donc on a vraiment lors du lancer une rotation parfaite par l'utilisation de cet anti-emmêleur, anti-tangle, pour éviter que le badling vienne s'emmêler dans le montage. Donc zéro emmêlement. Et puis là, si je me souviens, vous pêchez quand même sur des fonds assez souples, assez vaseux, ça va permettre une présentation optimale. Alors en parlant de présentation, parle-nous un petit peu de ton badling. Alors ce badling très intéressant, c'est le Camotex Stiff. L'intérêt de ce badling, c'est qu'il est composé d'une tresse, avec la nouvelle formule camouflage. Ensuite, il est revêtu par un matériau très intéressant à travailler. Puisque l'on peut avoir un badling très rigide, tout en utilisant et en enlevant la protection, on arrive à avoir une articulation très intéressante pour avoir en fait un montage combiné entre rigidité
et mouvement totalement libre. D'accord. Donc en fait, c'est une tresse gainée dont on a vraiment exagéré la rigidité du revêtement extérieur qui permet d'avoir un effet de charnière assez, assez prononcé, quoi. Complètement. Et à l'utilisation, ouais. Il faut utiliser la vapeur, hein, faire bouillir de l'eau pour rigidifier au maximum le montage. D'accord. Et j'imagine le remettre à plat aussi parce qu'il doit avoir pas mal de mémoire vu sa rigidité. Donc pour enlever la forme de la bobine, on va venir le passer au-dessus de la bouilloire et le raidir. D'accord. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres précautions particulières avec ce type de revêtement un petit peu différent ? Oui, effectivement. Lors de sa création, il faut dénuder les deux extrémités du montage. Côté anti-emmêleur, donc on vient effectivement dénuder quelques centimètres, 3 à 4 centimètres, pour venir y réaliser la boucle. D'accord. Donc la boucle de raccord au quick change, elle se fait sur la lame interne, sur la tresse qui est dénudée. Donc pour éviter tout problème de contraction de la gaine au niveau du nœud, c'est ça ? Effectivement. D'accord. Et là, j'ai utilisé du 25 livres. D'accord. Et donc effectivement, puisque tu as un anti-tangle sleeve qui est assez long, le fait de recouvrir la boucle ici, tu n'as aucune souplesse. Même si c'est dénudé, c'est recouvert par l'anti-tangle. Effectivement. Donc tu as vraiment ton effet quelque part combi-link ou charnière. Il n'y a que cette extrémité-là qui va être... Tout à fait. Là, je conserve vraiment la rigidité pour avoir une rotation vraiment intéressant. Optimale. Et à l'opposé, même chose, je dénude une dizaine de centimètres. Donc, tu prévois 10 centimètres à ce niveau-là. Hein, tu enlèves 10 centimètres de gaine. J'imagine que c'est pour pouvoir à la fois faire la boucle du cheveu, pouvoir y mettre deux billes de 15, hein, vu de nez là, c'est du 14 ou 15 mm. Voilà. Ensuite, le cheveu est tenu le long de la hampe par. C'est une gaine thermo que tu utilises là de la Gamage, oui, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle gaine thermo de la Gamage, effectivement. D'accord, et tu viens terminer donc par-dessus le nœud sans nœud avec un line aligner. Exactement. Donc qui est désormais un produit assez connu de la gamme Fox. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et là, on a vraiment une présentation. Optimale. D'accord. Et donc c'est le fait de pouvoir dénuder une bonne dizaine de centimètres qui te permet aussi d'avoir cette partie ici en sortie du line aligner qui est extrêmement souple et qui va faire effet de charnière. Complètement. Moi je garde toujours un centimètre pour vraiment avoir cet effet de charnière et d'articulation. D'accord. Donc line aligner plus partie dénudée plus le cheveu collé à la hampe, c'est ce qui permet de faire pivoter l'hameçon lorsque la carpe l'éjecte en fait, pointe vers le bas. Exactement. D'accord. Eh bien écoute, ça a l'air de marcher puisque très rapidement tu as un premier poisson. Et puis je suis sûr qu'on va vite te retrouver. On va te laisser relancer le montage et on revient te voir dès la prochaine prise. Merci à toi Samuel. Merci. Vous venez de me voir avec quelques poissons en utilisant le Shod Hélice Buffer Sleeve sur une première approche. Ici, effectivement, je n'ai aucun obstacle. Je me suis assuré, bien évidemment, avant de n'avoir ni souche ni herbier sur ma zone de pêche. Dans le cas où, en d'autres situations, sur d'autres lacs, vous vous retrouviez face à ces obstacles. Il existe dans la gamme Edge une déclinaison de ce montage hélicoptère pour garantir la sécurité du poisson. Il suffit d'ajouter à la première version que je vous ai montrée tout à l'heure quelques accessoires complémentaires. On retrouve toujours dans la gamme Edge le Heavy Duty O-Rig et la tresse Armadillo que j'utilise ici en 30 livres. Le Shod Hélice Buffer Sleeve est muni d'un petit trou ici, à cet endroit-là. Ce trou me permet de passer mon aiguille à bouillette. Je positionne l'anneau à l'intérieur du manchon, juste
à son entrée. Ensuite, je passe la boucle de l'armadillo dans les méridions de mon plomb. Et je tire sur mon aiguille à bouillette pour faire ressortir la tresse de l'armadillo par le trou du Shod Eli Buffer Sleeve. Le montage ne s'arrête pas là, puisqu'effectivement, il me faut maintenant utiliser un matériau soluble quelques millimètres que je roule entre mes doigts pour former un petit tube. Que je viens insérer dans la boucle récupérée à cet effet de l'armadillo. Voilà. Je viens ensuite mettre en compression l'ensemble et couper l'excédent du PVA. Dans cette configuration, je suis en mesure d'expédier mon montage sans problème. Le montage ensuite arrivé sur le fond, le PVA va évidemment se dissoudre. Et lorsqu'on a un départ, on a une libération totale en système drop-off du plomb. On garde bien le contact avec le poisson, toujours avec cette protection par ma tétine pour venir éviter d'endommager ma ligne. Et là, on a un montage totalement sécurisé pour nos carpes. Vous avez vu l'approche de Nicolas qui est plus sur une zone constituée d'obstacles. La mienne où je suis effectivement dans une action de pêche en pleine eau et j'essaye d'intercepter les poissons de passage. Et vous allez découvrir avec Jean-Baptiste une autre approche, puisqu'il essaye de capturer des poissons en surface. On a effectivement vu quelques poissons marsouiner se déplacer en surface, et je pense qu'il ne va pas tarder de les attraper. Premier poisson pris au zig, après quelques rappels, belle petite miroir qui se baladait 2-3 mètres de la surface, un petit poisson bonus pris comme ça dans la matinée, que du bonheur. Alors les conditions climatiques évoluent très rapidement puisque le soleil a fait son apparition déjà depuis une semaine, les températures commencent à grimper fortement. Et donc on se retrouve avec une situation un peu bizarre, c'est que les poissons se retrouvent à évoluer plus vers la surface que vers le fond de l'eau. Donc ce matin j'ai décidé de me lancer dans une stratégie qui est de les pêcher en fait entre deux eaux, c'est-à-dire sous la surface mais pas non plus sur le fond. Donc pour cela je vais utiliser un kit de zig ajustable, donc en fait qui se compose d'un plomb avec un anneau coulissant qui va glisser le long de ma ligne, un peu comme un système de marqueur flotte. J'ai ici un halo qui va me permettre de maintenir la ligne en tension et droite dans l'eau. Et puis un bas de ligne
avec un Ziegelina à son extrémité. Donc l'avantage de ce système, c'est que vous allez pouvoir, grâce à ce système coulissant, un peu comme un marqueur flotte, vous allez pouvoir donner mètre par mètre, demi-mètre par demi-mètre, essayer de chercher un peu cette hauteur où les poissons évoluent, où il y a cette thermocline, cette zone de confort entre le froid des eaux froides du fond qui tardent à se réchauffer et les eaux chaudes de la surface. Donc un peu comme un marqueur flotte, vous allez poser votre canne sur votre rodpod et donner un peu de fil à chaque fois de façon à pouvoir faire évoluer ce flotteur entre deux eaux. Pour réaliser ce petit montage Ziegelina, c'est assez simple. Il vous faut un petit hameçon de taille 7, 8, 9, voire 10 si vous attaquez à des petits poissons. Donc en l'occurrence, j'utilise le 3SP et je pourrais aussi utiliser le SSBP. Donc le Ziegelina se compose donc d'un petit montage, d'un petit Elina, comme ça. Donc là aujourd'hui, j'utilise le Elina jaune avec un morceau de mousse noire. Alors pour pouvoir débuter ce montage, vous devez d'abord ajuster la longueur de votre badling. Donc j'utilise du nylon pour zig, donc je prends à peu près un bon mètre. Voilà, que je coupe. Ensuite, je viens passer à l'intérieur du petit trou du Elina mon nylon. Voilà, comme ceci. Voilà, je vais passer la totalité de ma longueur de badling. Voilà, jusqu'à garder un petit morceau pour pouvoir réaliser le nœud. Donc, je change de main pour réaliser mon nœud. Alors là, je vais faire un nœud palomar. On pourrait faire aussi un simple nœud de cuillère. Donc, le nœud palomar, c'est simple. Si on le passe une première fois, on repasse une deuxième fois. Voilà, on se retrouve avec une boucle qui passe dans l'anneau. Voilà, ensuite, je réalise une boucle. Comme ceci. Je viens passer l'hameçon à l'intérieur. Voilà, et je viens serrer. Donc nous avons un nœud qui est propre et solide. Je serre bien. Voilà. Ensuite, je viens couper mon excédent à quelques millimètres de mon œillet. Je viens ensuite enfiler dessus le Elina. Voilà. En fait, je viens l'enfiler comme une tétine liner. Ensuite, dans le kit, vous avez un petit emporte-pièce. Je viens enfiler la mousse à l'intérieur. En fait, c'est comme une tulipe qui s'ouvre. Voilà. Je vais ensuite passer à l'intérieur de l'anneau. Et je n'ai plus qu'à tirer pour faire passer. Voilà le bout de mousse à travers, c'est assez facile, sans effort. Et ensuite, j'ai plus qu'à couper mon excédent de mousse noire, comme ceci, pour avoir une présentation parfaite. Alors juste avant d'attaquer cette pêche au zig, je vais juste vous présenter le zig disque. Alors le zig disque, c'est une petite invention ingénieuse de nos ingénieurs de chez Fox. C'est une pochette avec à l'intérieur un ensemble de cubes, de cylindres de mousse. Vous allez pouvoir enrouler vos badlings zig. Donc vous pouvez y enrouler environ une quinzaine de badlings préparés dessus. Alors l'avantage, c'est qu'en fait ces disques font 30 cm. Donc vous allez pouvoir facilement mesurer la longueur de vos badlings grâce à ce diamètre de 30 cm. Donc si vous faites 2 tours, 3 tours, vous aurez à avoir en fonction du nombre de tours, soit 30, 60, 90 cm de badling. Donc je l'ai dit, une quinzaine de badling. Et puis ici, à l'intérieur, traditionnel, dans les accessoires la gamme Fox, vous avez les petites punaises, les pins, qui sont stockées ici. Donc voilà, ça s'appelle le Zig Disc. C'est livré dans une petite pochette. Et c'est vraiment l'idéal pour pouvoir stocker à l'avance tous vos badling pour une partie de pêche au Zig comme ce matin. We'll be right back.
Alors l'avantage au zig, c'est que quand les poissons sont dans la zone, et bien les départs s'enchaînent. Encore un poisson pris avec le montage zig ajustable avec le flotteur à l'eau. Un zig line en guise sur l'hameçon, monté en guise d'appât. Voilà, un poisson pris entre 2-3 mètres sous la surface. Le montage qui nous permet de régler correctement la hauteur de pêche. Voilà, on va vite le remettre à l'eau parce qu'avec un peu de chance, on arrivera encore à faire un troisième poisson bonus. Il t'aura pas fallu longtemps là? Ah ben je la perds. Ah, c'est peut-être moi qui t'ai porté la poisse hein, à te dire que t'en perdais pas une. Peut-être. Il y a toujours un risque, toujours un faible pourcentage de perte, mais bon. Ouais, par contre tu ramènes tout. Voilà. Bas de ligne et d'accord. Ok. Mais dis donc, c'est pas le bas de ligne que tu m'as montré tout à l'heure là? Non, c'est un petit multi-rig. En fait, quand j'utilise des gros hameçons avec des gros appâts, donc là un doublé de 15 en pop-up, j'aime bien ce genre de montage pour les flottantes, quoi. Et ça fait souvent un joli poisson. Et là, d'accord. Tu peux voir que j'ai perdu le plomb, je récupère mon montage, le poisson je l'ai pas, mais il repart en bonne santé. D'accord, d'accord. Et là donc en fait, le montage, le baline que tu m'as montré tout à l'heure, il pêche. Ouais. Et sur le même spot, tu as décidé de présenter aussi deux pop-up, donc un montage là carrément décollé. Voilà. Tu as une canne en équilibré. Les deux extrêmes. Ouais. Et pourquoi? J'ai remarqué que sur les beaux poissons, souvent un peu à l'écart de l'amorçage, ça faisait souvent un beau poisson. Quoi. D'accord. Sur des gros hameçons, j'aime bien. D'accord. Donc en gros, le snowman, tu as déjà ramené pas mal de petits poissons. Voilà. Tu t'es dit, je vais essayer autre chose. C'est le montage bonus. Essayer de tenter un poisson un petit peu plus gros. Donc tu l'as décalé un petit peu de la zone. Ouais, et avec une présentation en décollé. Voilà, un ou deux mètres de l'amorçage. Bon là, peu de temps après avoir déposé la canne de tout à l'heure, là, sur le petit plateau près du lit de la rivière, je viens de toucher un poisson. Donc là, on part le combattre. Là. Donc, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, là, d'après ce qu'on a ressenti, c'est que le lest a été lâché. Donc la carpe se promène gentiment. Là. Donc je ne mets pas du tout de tension. Donc c'est une ligne que j'avais lâchée avec un petit bonhomme de neige, monté sur un Camotex Soft, donc c'est la version la plus souple, de couleur noire en 25 livres. Donc c'est déjà une bonne résistance pour la pêche dans ces obstacles. Hein. Il n'y a pas non plus besoin de monter plus gros. Sur un multi-rig, donc c'est un montage qu'on aura peut-être l'occasion de vous faire revoir pendant le tournage. Sur un long shank numéro 4, sur un LS numéro 4 de la gamme Arma Point. Donc c'est des hameçons qui sont quand même assez forts, assez durs à ouvrir. La Camotex, elle, est relativement souple, donc le fond étant constitué, comme je vous l'ai dit, de petits cailloux et d'une partie bien dure, elle aura tendance avec sa souplesse à bien se plaquer sur le spot, donc à rester discret, parce que ce que les gens oublient, c'est que c'est pas parce qu'on pêche fort et solide qu'il faut pêcher salement, quoi. Faut toujours essayer de s'appliquer, à être discret et le plus propre possible. Donc là, on va pas tarder à arriver, je pense, sur le poisson. Donc là, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, lors de la touche, le plomb s'est libéré et la carpe est totalement libre. Donc d'une part, l'effet d'emprisonnement qu'elle peut ressentir, bah, il est,
il est anéanti, quoi. Donc il n'y a plus de lest à traîner. Donc la carpe, si on ne met pas trop de tension sur la ligne, en général, on arrive à éviter que le poisson vienne se réfugier dans les obstacles. Donc ça n'a pas l'air d'être un très très gros poisson. Donc là, l'hameçon LS, là, en numéro 4, c'est quand même des hameçons assez forts. Jolie petite commune, prise peu de temps avant la tombée de la nuit, sur un petit badling en camotex, 25 livres, sur le petit montage que je vous expliquais tout à l'heure, le multirig, 25-30 cm de camotex noir en 25 livres, un LS taille 4, avec un petit snowman monté en multirig. Hop. Voilà, jolie petite commune du sud de la France, pour entamer cette seconde nuit pour moi. Je vais la remettre à l'eau, en espérant toucher sa grande sœur. Les conditions de pêche se compliquent. Le thermomètre ne fait que de grimper et les températures chutent peu pendant la nuit. Cette dernière nuit s'annonce difficile pour nos trois consultants. Nicolas continue son hold-up de petite commune. Samuel cherche les profondeurs à grande distance, tandis que Jean-Baptiste abandonne la pêche aux zigs de jour et se rapproche des bordures pour cette ultime nuit. Au petit matin d'une nuit beaucoup plus calme que les précédentes, Nicolas fait un constat sans appel. Jolie petite commune du sud de la France, prise ce matin au lever du jour. On vient de se rendre compte avec ce poisson qu'en fait c'est un petit garçon, c'est un petit mâle. Il commence à perdre de la laitance, donc ce qui expliquerait peut-être la difficulté de pêche. Le poisson semblerait prêt à frayer. Donc voilà, on va aller le remettre dans son élément. Et bien voilà, après déjà de nombreuses prises de vue réussies et un nombre de poissons très satisfaisant sortis des différents postes, j'en ai profité pour cette dernière nuit de la première étape pour m'esquiver, piquer quelques échantillons dans la boîte à trésors, notamment le submerge et le camotex stiff, et me consacrer un petit peu à ma pêche pour apporter ma contribution à cette jolie récolte de pépites d'or typiquement camarguaise, dont voici un des exemples. Mais je vous laisse tout de suite avec Jean-Baptiste qui, au milieu des pépites, a trouvé quelques lingots. Quelle plus belle façon que de terminer cette session sur Splendo pour moi, avec ce magnifique poisson, cette superbe commune prise cette nuit
sur une canne placée en bordure avec un système inline drop-off, donc le plomb qui s'éjecte, avec un petit bas de ligne Camotex, rigide, semi-rigide même, donc une version stiff, une version rigide, avec un hameçon Curo, la série 4 XS, donc des hameçons forts de fer, de taille 6, et deux petites pop-up. Voilà, alors je vais vite la remettre à l'eau, et puis vous allez retrouver Stéphane qui va vous présenter cette nouvelle destination. Splendide. Bien voilà, cette première partie de tournage s'est donc achevée en Camargue avec un résultat vraiment positif, une trentaine de poissons. Elle nous a permis de nous familiariser avec la nouvelle gamme d'accessoires Edges, mais devant des conditions de pêche de plus en plus difficiles dues à des températures en hausse constante et des poissons, comme nous l'a montré Nicolas, qui se tournent vers un comportement de frais, nous avons décidé de migrer. Pour plusieurs raisons. D'abord pour rechercher des poissons de taille plus importante, mais aussi pour mettre à l'épreuve toute la gamme Edges dans une eau vraiment très claire. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons maintenant dans une gravière de montagne avec nos trois consultants déjà en pêche que nous allons rejoindre de suite. Pour cette deuxième partie de tournage, nos trois consultants occupent des postes bien différents. Nicolas tout d'abord occupe l'entrée du lac, dans la Dombe, et il pêche essentiellement une roselière très dense avec très peu de fond. La bordure d'en face lui offre un petit peu plus de profondeur, quelques zones dégagées et un arbre immergé, et il a enfin la possibilité de pêcher à une canne en pleine eau. Jean-Baptiste, quant à lui, est en pleine eau, au milieu du lac. Il a à 30 mètres droit devant lui un arbre immergé de grande taille, une bordure sur sa gauche avec une profondeur intéressante et des fondures, et sur sa droite une roselière avec des fonds de limon et de vase. Enfin, Samuel semble avoir tiré le poste le plus intéressant. Bénéficiant d'un vent clément, il peut pêcher à courte distance un haut fond en gravier, il a une canne en pleine eau, et il bénéficie surtout de la possibilité de pêcher le chenal qui relie les deux baies avec une bordure en roselière très intéressante. Malgré l'altitude, les poissons semblent ici aussi se rapprocher des bordures. Samuel est le premier à trouver la pêche et bénéficie d'une jolie série de poissons. Nous sommes ici dans un cadre magnifique, somptueux. Après avoir parcouru la Camargue, nous pourrions penser que nous sommes en Italie, mais non, nous sommes bien en France. Nos cannes ne sont pas toutes encore lancées. J'enregistre déjà un premier poisson avec un combat tout en force. Joli miroir. On va découvrir le montage. Donc, un arrangement avec un line clip. Le plomb est sorti durant le combat. Le bas de ligne en camotex stiff 30 livres. Hameçon monté avec un ligne aligneur.
Montage bonhomme de neige. Vraiment un joli poisson. Un combat tout en force. Capturé sur une plage de gravier à 80 mètres du bord. La canne était posée depuis une quinzaine de minutes. La nuit tombe sur les montagnes. Le silence envahit la vallée. Seules les grenouilles viennent troubler cette nuit, qui sera courte pour certains. Voici cet joli miroir avec des couleurs très vivifiantes. Donc voici le kit Shod de la gamme Edge qui se nomme le Tungsten Shod Bead Kit. Il se décompose par une perle en tungstène. Ensuite le badling, que l'on monte sur un émirillon avec un large anneau. Ensuite une tétine coulissante avec une forme conique particulière qui, durant le combat, va venir se loger dans le manchon. Et on n'a ainsi aucune friction lors du combat. À peine le temps de relâcher cette miroir qu'un nouveau départ sur le plateau de gravier. C'est une miroir visiblement, une nouvelle. Je pense que t'as pas envie que je pêche ce matin, les, en fait. Hein. Les carpes sont très actives. À chaque fois que je repose mon marqueur, il faut que je l'enlève. Et là, t'es venu carrément au milieu de mes cannes. Hein. Ah, écoute, Alors, tu l'as là pris, je profite du moment présent. Tu l'as prise sur quel montage, celle-ci? C'est le Shod Heli. Shod Heli monté en version hélicoptère. Toujours cette gamme Edge qui est vraiment très efficace. Et voilà. Prise à la Tiger Nuts. J'avais au préalable amorcé avec un tapis de Tiger Nuts sur un fond de gravier. Mal au dos ce matin. Quatrième poisson qui vient vraiment clôturer une série de départs avec mon organisme qui a quand même bien souffert. J'ai beau faire un gabarit un peu hors norme, elle ne me laisse sans répit. Donc le badling en camotex stiff qui a gardé sa rigidité même après le combat. De l'autre côté du lac, Nicolas semble lui aussi avoir tiré son épingle du jeu ce matin. Magnifique commune prise ce matin au lever du jour. Donc là, c'est plus du tout la même pêche. Je pêche sur un spot assez propre, très peu d'herbe. Donc j'ai un peu modifié mon système de plomb. Je suis passé sur un plomb inline semi-fixe qui va se déclipser à la touche grâce au tadpole bed, qui est un petit accessoire bien pratique que je vous présenterai plus tard. Elle a été piégée sur un petit snowman, toujours sur mon petit badling en camotex, 25 livres, de couleur foncée, avec un petit ligna-ligna, donc pour une prise en bouche et une piqûre optimale.
Magnifique. Jean-Baptiste, je t'ai quitté en Camargue avec une magnifique commune, oui, où tu nous as déjà parlé brièvement d'un montage, l'inline drop-off. Oui. Je te retrouve maintenant aux confins des Alpes et de la Provence. Oui, on a changé radicalement d'endroit et de paysage. Voilà. Par contre, ton choix de montage reste le même. Oui. Parce que tu as au niveau du fond une configuration semblable. Voilà. Une pêche de bordure, quelques obstacles. Exactement. Le fond est composé à la fois de passages vaseux et de passages en gravier. Donc j'ai la chance de tomber sur le même poste. Donc, et puis comme ce montage m'a permis d'avoir quelques beaux poissons en Camargue, j'ai décidé de continuer là-dessus, notamment. Et puis c'est vrai que ça permet, comme c'est un peu encombré, ça permet quand même de pouvoir sauver quelques poissons dans quelques obstacles, quoi. D'accord. Alors ce que je te propose, c'est que tu le montres un petit peu plus en détail cette fois-ci. Alors tout simplement, j'utilise le nouveau leader Submerge. Donc j'en mets à peu près un bout d'un mètre. On sait que plus c'est long, plus ça plaque. Donc l'avantage de ce Submerge, c'est que comme il est très souple, si on est sur des fonds plus ou moins, on va dire, assez chaotiques avec quelques cailloux et à la fois aussi de la vase, il faut vraiment que ça puisse plaquer et épouser les formes du fond. Voilà, ça suit vraiment tous les contours du fond. Voilà, exact. Il n'y a pas lame en plomb. C'est lesté, mais super souple. Donc celui-là, c'est le modèle en 30 livres, et puis c'est le Gravelly Brown, c'est le modèle le plus dark. Donc d'accord. Ce qui va mieux avec les fonds vaseux d'ici. Ensuite, au bout, j'ai fait donc une épissure avec un nouveau système d'émerillon. C'est un émerillon qui est en trois parties, composé d'un anneau. D'accord, strong. Tu as un anneau surdimensionné. Voilà. Donc c'est là que tu passes l'épissure. Voilà, c'est là où je fais l'épissure. D'accord. À l'autre extrémité, on a donc le système, la petite attache, la petite agrafe quick change que l'on connaît. Mais plus courte. Plus courte, ouais. Voilà. Et puis, on a un émerillon. À baril classique, voilà. Die 7. Voilà. D'accord. Donc, ça se situe en trois parties. Donc, c'est donc l'émerillon du système inline drop-off. Donc, une épissure. Ensuite, sur ce montage, je suis venu y insérer ici un petit insert. En fait, d'accord, avec une partie ronde, avec un espèce de baril ici. D'accord. Donc, un insert en matériau assez dur. Hein, là, voilà. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Avec un petit trou ici, en d'accord, fait. Comme une espèce de chat d'aiguille. On a une moitié qui est perforée avec un petit opercule biseauté là sur le dessus. Voilà, elle est fendue ici. Et on fait passer le. On fait passer le leader à l'intérieur. Et puis au bout, j'ai une tétine que je suis venu enfiler comme un système inline. D'accord. Un système lead clip classique. D'accord. Elle est juste tout petit peu plus longue pour plaquer un peu plus. Une tétine semblable à celle d'une agrafe plomb, mais vraiment adaptée pour cet insert. Voilà. D'accord. Donc jusqu'ici, ça reste assez sommaire. Là où c'est sur la fixation du plomb, du mm-hmm, système drop-off, puisque ce que je veux, c'est que quand le poisson, soit s'il se secoue la tête trop fort, comme je pêche avec des petits hameçons, se débarrasse rapidement du plomb, parce que je veux pas qu'il utilise l'inertie du plomb. Oui, c'est un peu l'inconvénient du inline, hein, c'est qu'il a tendance à beaucoup bouger. C'est qu'on se balade avec quelque chose qui est en inertie tout le temps, ouais, et ça a souvent tendance, quand on utilise surtout des toutes petites tailles d'hameçons en dessous du 8, à favoriser la décroche. Voilà. D'accord. Donc moi ce que je veux, c'est qu'en cas d'obstacle, puisqu'il y a quelques obstacles sur la zone, et qu'il puisse s'en débarrasser. Et puis que saute. Si vraiment il commence à utiliser l'inertie du plomb, il puisse aussi se débarrasser. S'en débarrasser, d'accord. Donc, dans la gamme Fox, nous avons les plombs inline, ouais, que tout le monde connaît depuis presque 10 ans maintenant. À l'intérieur, vous avez un insert qu'on utilisait avant. Mm-hmm. Hein. Un petit manchon donc en caoutchouc souple. Ouais. Voilà, alors en semi-fixe ou rigide. Donc en fait, ce que je vais vous proposer, c'est de retirer ce petit manchon à l'intérieur, de venir y couper. Donc j'ai la partie plus épaisse, là où d'accord, vient se loger l'émerillon. En fait, on a le logement de l'émerillon ici, et ensuite on a la tétine longue qui passe à travers le plomb. Hein. Voilà. Donc je viens couper à quelques millimètres ici. Je garde juste la partie où on vient y mettre l'émerillon. D'accord. Ensuite, je viens donc y fixer l'émerillon à l'intérieur comme avant. On vient y fixer, on peut s'aider avec un peu de salive. Voilà, je viens l'enfoncer en force, voilà. D'accord. Comme ceci. Donc ça, c'est ce qui se passait dans le système. Jusque-là, tout va bien. Voilà, jusqu'ici, tout va bien.
Je viens ensuite y fixer cette partie-là de tétine. Je viens la remettre là où j'y mettais les mérillons avant. D'accord, voilà. On vient loger ça ici. Donc là, ici. Ça ressemble étrangement à ce qui se faisait déjà avant, ouais. À part que j'en ai coupé un bout. Pourquoi j'en ai coupé un bout? C'est parce que cette petite partie dure là, qui est en amont sur mon leader. Ouais, l'insert. Voilà, ouais. L'insert. Je vais prendre la partie qui est dure. Je vais venir l'humecter un peu, de façon à pouvoir rentrer plus facilement à l'intérieur. Et je viens... D'accord, tu viens la loger là où normalement la tétine ressort. Voilà, c'est pour ça que je l'ai coupée. Okay. Et voilà, je viens la fixer à l'intérieur. Voilà, je tends l'ensemble. On voit le leader qui est venu se plaquer... Contre le plomb. Ensuite, la tétine, je viens la remonter. Donc, tu viens sécuriser avec la tétine. Voilà. Okay. Ici. Ouais, c'est vraiment propre, hein. Il n'y a rien qui dépasse. Voilà, c'est un... C'est... Et donc, il me reste, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un troisième élément sur cet ensemble. Ouais. C'est le quick change. Et là, le quick change, eh bien, je viens y mettre un petit bas de ligne avec un petit bout de reflex. C'est donc là, une tresse souple. Une tresse souple de la gamme... Edge, voilà. Je suis venu y mettre aussi un bout de tétine qui va avec les quick change. D'accord. Qui est aussi avec un. Donc là, c'est l'anti-tangle sleeve de la gamme Edge. Voilà. Que tu as coupé un avec peu un nouveau court. Coloris, oui. Voilà, et on a l'ensemble. D'accord. Qui est très pêchant. Très propre. Voilà. Et 100% sûr. Voilà. Et si le poisson, le poisson commence à vouloir utiliser le plomb pour déjouer mon piège, eh ben le système vient s'éjecter et puis après le plomb va sortir complètement. Et donc en général, quand on remonte le poisson, on se retrouve à peu près dans cette configuration-là avec toujours la tétine du plomb qu'on peut même réutiliser pour le plomb d'après. D'accord. Et ça se lance très très bien. Je vois un plomb inline, un bas de ligne assez court en tresse souple. Tu n'aurais pas une idée de présentation derrière la tête? Ouais, effectivement, parce que comme on est sur un plan d'eau, on a changé de plan d'eau, là on est sur le domaine public. Enfin, on est retourné sur le domaine public, mais on est sur un endroit où on n'a pas le droit au bateau. Donc il va falloir lancer depuis le bord. Ici, les poissons sont sous pression toute l'année, donc elles sont assez dures à approcher. Et comme je suis un peu un aficionado des matières PVA solubles, je place, en fait j'utilise en méthode d'amorçage, je fais des petits spots avec, avec mon rapide PVA loader, load system. Donc en fait, je place mon montage inline à l'intérieur. Ici, j'ai une toute petite pop-up coconut blanche de la gamme Mistral. J'y place la totalité de mon montage à l'intérieur. Je le remplis de moist pellet aussi de la gamme Mistral. Et puis, je lance ça depuis le bord. On pourrait aussi le déposer en bateau amorceur. Donc ça a vraiment un intérêt du plomb inline, c'est qu'on peut le mettre dans le sac avec voilà. Le petit bas de ligne. Ça se lance très bien, c'est très compact. Et l'amorçage est très compact autour du montage une fois dissous. Voilà. Et bien encore merci et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et bien après quelques déboires, en l'occurrence deux décroches, dans des obstacles qu'on n'avait pas trouvés lors du sondage. Premier poisson sur cette gravière. Donc prise système drop-off inline. Donc à chaque fois le plomb s'est décroché, même lors de la perte des deux poissons, puisque ça s'est soldé par une décroche. Donc vraiment un montage 100% sûr. Donc un petit bas de ligne reflex et le tout posé dans un petit sac PVA. Voilà, super poisson de cette petite gravière de montagne. En espérant que j'ai la chance de toucher un beau poisson comme mes collègues. On se retrouve à nouveau sur le poste de Sam. Vous m'avez vu lui donner un petit peu la main très tôt ce matin pour épuiser cette jolie miroir. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'une heure avant, Sam avait déjà eu un départ très violent et mis à l'épuisette un premier poisson qu'on a gardé et qu'on va vous montrer maintenant parce que vraiment il vaut le détour. Alors Sam, dis-moi, tu montes en gamme là? Tu montes en poids? Là oui. Beaucoup plus loin. Quel magnifique miroir. On voit que c'est vraiment la même souche, des coloris superbes. On passe de la couleur or du ventre, des rougeâtres sur la queue et un dos bien sombre. Et une largeur vraiment impressionnante. Quoi. Magnifique poisson. On ne va pas garder le suspense plus longtemps. On l'a pesé à 21 kg tout rond.
C'est mon deuxième poisson sur la nouvelle bille de la gamme Mistral, dans la gamme d'étiquette Coconut Krill. Moi, je les monte en bonhomme de neige, avec une bouillette pop-up au sommet et une danse en dessous. Donc là, on est sur du 15 mm. Vous avez pu le voir ce matin, j'ai eu la joie d'être réveillé par une très jolie commune. Donc comme je voulais rapidement signaler, je l'ai attrapé sur une tache très propre. Il n'y a pas vraiment d'obstacle, il y a juste un tout petit lit d'herbier par endroit, mais je pêche vraiment sur du propre. Donc pour cette situation, j'ai choisi ce style de montage. Donc sur l'autre plan d'eau, j'avais préconisé de pêcher avec des gros lestes, de perdre le plomb pour plus de sécurité. Ici, ça va être tout l'inverse, j'ai gardé mon plomb. Je vais employer une méthode semi-fixe, un inline semi-fixe, donc monter sur un camo lead core d'environ 1 mètre de la gamme Age. Donc celui-là, c'est le plus foncé des deux, c'est le Dark. Un plomb inline de 85 grammes, sur lequel j'ai pris soin de venir enlever l'insert silicone qui s'y trouve normalement, pour qu'il puisse venir s'emboîter sur mon tadpole bead de la gamme H toujours, qui va le maintenir semi-fixe. Donc lors du lancer, mon plomb est présenté comme ceci. Et lors de la touche, il va venir se déclipser. Vu qu'on pêche des poissons plus ou moins méfiants, qui sont quand même assez éduqués, assez pêchés tout au long de l'année, le poisson ne pourra pas se servir de mon plomb pour se dégager du bas de ligne. Le plomb restera toujours le plus bas possible et le poisson ne pourra pas s'en servir. Donc mon plomb clipsé sur mon tadpole bead, lequel est emboîté sur un quick change, sur lequel je vais venir renier mon bas de ligne. Alors le bas de ligne, toujours mes petits bonhommes de neige, ma petite présentation favorite. La seule petite modification que j'ai apportée, c'est que j'ai enrobé mon bonhomme de neige dans de l'arme à mèche, parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait pas mal d'écrevisses, que malgré le début de saison, elles étaient actives et que bah, on se faisait un peu voler nos appâts et que c'était un peu dangereux au risque de pêcher sans rien avoir sur l'hameçon. Donc toujours le même petit bas de ligne en Camotex Soft, donc très souple, ça épouse bien la forme du fond. J'ai rajouté un tout petit peu de pâte plombée pour être sûr vraiment que ce soit bien plaqué, bien propre. Un XSC numéro 6, le cheveu maintenu sur la courbure de l'hameçon avec un petit bout de shrink tube, toujours de la gamme Age, dans sa couleur camou. Un petit ligne à ligne adapté à la taille de mon hameçon. Mon bas de ligne relié sur mon quick change et renfermé, bloqué sur ce quick change grâce à un anti-tank sleeve. Toujours de la gamme Age pour le côté discrétion et coloré qui va très très bien sur ce type de plan d'eau. Je l'ai dit, il y a quelques herbiers par-ci par-là, c'est vraiment disparse, mais il y en a quand même quelques-uns. Pour plus de précautions, j'enfile un petit stick de micro-pelés ou de particules sur mon hameçon. Comme ça, je suis sûr que quand ça va arriver sur le fond, le temps que ça se désagrège, ma présentation sera parfaite. Voilà, avec l'ensemble de nos consultants en mode pêche, chacun sur des postes bien différents, avec Sam qui commence déjà à faire pétard dans la roselière, j'ai pu enfin me mettre un petit peu à l'écart et commencer ma pêche. J'ai opté ici pour un corps de ligne en illusion XS, donc afin de pêcher fil détendu bien plaqué dans cette eau très claire. J'ai un arrangement plomb donc sur une tête de ligne en submerge avec une petite perle tadpole, donc le plomb inline est coulissant dès la prise.
un amorçage épars assez timide, avec quelques particules et un peu de bouillette coupée. Voilà. Donc vraiment, vraiment très satisfait avec cette nouvelle gamme Edge qui m'a permis de camoufler l'ensemble du montage. Et comme vous allez le voir par la suite, de me prendre quelques jolies perles des Alpes. De son côté, en pleine eau, Jean-Baptiste réussit en journée à faire plusieurs poissons malgré la chaleur qui devient étouffante dans la vallée. Voilà, deuxième poisson pour moi sur ce petit lac public de cette session. Nettement plus gros, parce que là on passe largement la barre des 15 kg. Voilà, même présentation, toujours avec un leader en submerge, système drop-off, comme ça quand le poisson traverse la barrière d'herbier devant et les quelques obstacles qu'il y a au fond de l'eau, le plomb se détache, donc le système drop-off inline qui a joué son rôle. Et puis là, petite présentation nouvelle, j'ai utilisé un bas de ligne avec la Cortex, le nouveau modèle de la gamme Edge, qui est une version matte, voilà, en 20 livres. Super poisson avec une petite pop-up Coconut Ice de la gamme Mistral Baits. Splendide. Je vous propose de découvrir le montage qui actuellement me réussit sur ce plan d'eau. Donc j'utilise un montage composé de différents éléments de la gamme Edge. Les Merillon Quick en taille numéro 7. Ensuite Safety Clip. Donc je viens insérer mon Merillon dans le Safety Clip. Je positionne cette petite pièce pour venir bloquer mon émerillon dans le safety clip. Je positionne mon plomb sur l'agrafe. Comme ceci. Et ensuite, je viens positionner la gaine safety qui, de par son encoche, permet une libération facile du plomb si le poisson se prend dans un obstacle. Mon montage est précédé d'un lit de corps camo. La nouvelle colorie de la gamme camouflage. Donc là, j'ai bien une présentation homogène sur un monocoloris avec un montage facile à avancer, totalement efficace. Mon bas de ligne, comme vous l'avez déjà vu, est rigide. Donc là, je suis en montage bonhomme de neige, une bille pop-up, une bille danse.
j'équilibre le tout par un plomb quick change. Alors avant de lancer le montage, j'utilise un matériau soluble pour protéger la pointe de mon hameçon. Là, je pêche sur des fonds durs où on trouve des cailloux. Donc je préfère protéger mon hameçon. Je plie en quatre. La pointe de l'hameçon ne sort pas pour une protection dès lors que le montage arrive au fond. Il ne me reste plus qu'à lancer ma ligne sur un spot qui m'a déjà permis de capturer du poisson. Donc j'accompagne la descente du plomb et je réalise une tension progressive de mon corps de ligne. Je positionne mon swinger. Je récupère l'excédent de fil. Tout est opérationnel. Mais rapidement, la montagne révèle son vrai visage. Nos consultants se retrouvent confrontés à un problème qu'ils ne soupçonnaient pas en arrivant ici. Alors nous voilà en pleine journée, les conditions climatiques se sont détériorées puisque je ne sais pas si vous le voyez derrière moi mais il est tombé de la neige quasiment toute la journée. En fait il pleuvait ici mais en altitude il est tombé de la neige. Donc les eaux se sont refroidies et j'ai eu la chance de toucher un petit poisson, toujours pas loin sur un lit de gravier, pas loin d'un obstacle, avec toujours le système inline drop-off. Et puis un leader submerge et puis un petit bas de ligne reflex. Donc voilà, un petit poisson qui a mordu à la Coconut Ice de chez Mistral Baits. L'appât par excellence quand les eaux prennent un coup de froid. Et bien voilà pour conclure ce DVD vous présentant la gamme Edge. On se retrouve sur le poste de Nicolas. Mission accomplie avec un dernier poisson superbe, une 17 kg miroir, prise encore une fois dans le domaine public. Donc pour nous, vraiment, mission accomplie. On vous remercie de nous avoir suivis dans cette aventure où on a eu des situations de pêche vraiment très différentes depuis la canicule un peu inattendue en Camargue jusqu'aux confins des Alpes et de la Provence ici avec de la neige pour la dernière nuit. Mais vraiment une manière pour nous plus authentique de tester tous ces matériaux à bas de ligne, ces nouveaux arrangements plomb, dans des conditions de pêche qui sont semblables à celles que les autres pêcheurs de France rencontrent tout au fil de l'année. Encore merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un prochain DVD. Et merci à nos consultants. Merci. Merci. Merci.